durable, mais quand on va dans le détail, chacun a sa propre définition. Il est question de mettre un peu de débat dans ce domaine où il n'y en a pas tellement. J'avais imaginé une série de workshops qui s'intitulait More with Less. C'était comment faire plus avec moins, mais commencer avec moins de matériaux, moins de matière. C'était un peu un croisement avec un ancien étudiant, moi, Victor, qui a monté cette association le 6e continent avec Théo. J'avais envie de sortir de l'école. Je cherche un peu que les étudiants soient un peu en contact avec le monde qui change autour. Revalorisation des déchets, voilà, c'est ça consiste en quoi? Alors la valorisation des déchets, je pense que c'est important à mettre en place. Après, les moyens pour faire cette valorisation des déchets, je ne suis pas très très informé sur le sujet. Je vous dis la vérité, ça sert à rien le recyclage, parce que pour finir, ça va tout au même endroit, on ne fait que payer des impôts pour rien. C'est réutiliser et donner une nouvelle vie à un produit et à une matière première. Alors, est-ce qu'on parle de recyclage? Est-ce qu'on parle de réutilisation? Est-ce qu'on parle de réemploi? Et d'autre part, là, sur la notion de déchets, est-ce qu'on parle plutôt de déchets, c'est-à-dire avec un aspect plutôt négatif? Ou est-ce qu'on parle plutôt de gisements ou de ressources? Et à ce moment-là, c'est un caractère qui est plus positif. Est-ce qu'il existe des filières de valorisation de ces déchets qui sont autres que le recyclage? Est-ce que le réemploi est une bonne alternative pour les déchets du chantier? On parle vraiment d'un cycle qu'on va continuer quelque part. Au lieu de passer par la case déchets, on va le réemployer d'une autre façon. J'avais demandé à une entreprise, bah oui, par exemple, si vous aviez la capacité de reprendre les matériaux que vous avez vendus à vos acheteurs, est-ce que ça vous intéresserait? Il m'a dit oui, ce serait génial, ça nous ferait encore plus d'économies, on réutiliserait nos matériaux. Et c'est un peu comme s'il manquait des chaînons entre les interactions. Si jamais on les réinjecte entre guillemets dans le même bâtiment, dans un bâtiment pas très loin ou dans une espèce de collecte qui va s'occuper que de ça, on évite ce côté de recyclage, c'est-à-dire de transformation un peu brutale du matériau. On va pouvoir amener ce que nous on a appelé troisième œuvre. Qu'est-ce que le troisième œuvre? On voit que le réemploi c'est attaché à une réflexion critique sur notre façon de consommer. Ça nous renvoie en miroir sur nos comportements habituels de consommation. Et aussi, ça touche à l'économie. Le réemploi, c'est l'économie du peu. On démolit l'ancien hôpital pour faire des nouveaux logements. C'était ça la commande. Nous, on a proposé plutôt quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'on pourrait réutiliser le bâtiment pour y mettre d'autres usages, pour mettre des gens, pour mettre des équipements. Ce qui s'est allé à l'encontre du cahier des charges et pourtant, on a remporté ce concours et actuellement, le projet se développe. Ce sont des opportunités, en fait, d'imaginer une autre manière d'inclure au maximum habitants ou acteurs du projet, quoi. En fait, il n'y a pas de raison que ça reste une pratique alternative. Il ne faut pas voter à gauche pour voir le sens que cette pratique a. On peut même être tout à fait opportuniste économiquement et ça marche toujours. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une logique qui n'est économique qui est ultra déterminante là-dedans, c'est que le recyclage, pour information, c'est à peu près 15 € la tonne. Donc en fait, on voit que les maîtres d'œuvre ou les maîtres d'ouvrage ont plus tendance justement à venir faire des installations de stockage plutôt qu'à valoriser par le recyclage en fait le déblai. Il me semble que sur le Grand Paris, par exemple, il faut absolument que les lieux de proximité, terrain destinés à les accueillir, ont un projet paysage préalable. On ne fait pas des projets après, c'est des projets avant. Dans n'importe quel stand, on peut voir qu'un produit est certifié norme européenne, a tous les brevets parce qu'il est respecté les normes écologiques et économiques liées au site forestier. Mais après, quand l'utilisateur lui-même a utilisé le produit, les constructeurs ne cherchent pas à savoir quelle est sa fin de vie en fait. Le bâtiment, ce n'est pas un objet figé et fini et déjà construit, c'est un processus. Et il y a des excédents, il y a des choses en plus. Il semblerait qu'il existe un décalage entre les exposants qui nous disent oui, le bois est 100% recyclable, ils vivent un peu dans un monde utopique où parce qu'ils recyclent leur chute, ils recyclent 100% de leur bois. Et donc cette réalité qui nous montre une classe de bois qui ne pourra pas être recyclée. Ça pose la question à la source, quels matériaux on utilise. Donc on commence à regarder différemment toutes ces technologies, cette notion de progrès. Utiliser des matériaux de réemploi, ça pose tout un tas de questions. L'architecte qui, lui, est prescripteur, peut être amené à changer de place dans cette filière.
l'essor industriel du XXe siècle a constitué un architecte qui est prescripteur de matériaux tout faits. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de glisser vers une architecture qui s'occupe de la vraie matérialité, de la manière dont c'est fait et dont c'est réemployé du coup. Et qu'est-ce que ça implique selon vous, ce glissement de la profession d'architecte vers la profession d'entrepreneur? Il est un acteur essentiel, non seulement du bâtiment, mais de la ville. J'essaie d'enseigner aux étudiants architectes, c'est qu'on est amené à faire beaucoup de choix. Quel matériau mettre, quelle technologie. C'est vraiment important d'avoir ce regard critique pour faire les choix qu'on pense les plus raisonnables en fonction aussi de nos engagements, de nos envies, de la commande. Et c'est le point de départ du travail de l'architecte. Ça a été intéressant d'être ici sur place pour pouvoir vraiment voir et parler avec toutes les entreprises. Parce qu'à l'école, on est trouvé sur du matériau neuf et on ne pose pas souvent la question de la réutilisation de certains matériaux. On a vraiment découvert beaucoup de choses intéressantes qui j'espère, vont nous guider dans notre futur d'architecte.